Salut les fans de tricot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais ça faisait longtemps, Cassie, qu'on vous avait pas vu. Oui, je suis au courant, je sais bien. En fait, tout ça s'explique très simplement, c'est que je fais une formation professionnelle depuis le mois de mars. Formation de 35 heures la semaine. Du coup, en fait, la plupart du temps, je tricote à ma formation pendant mes pauses, tout simplement. Et ben du coup j'ai très peu de temps et je me vois pas pendant ma formation sortir ma caméra, mon trépied et tout ça à ma formation pour me filmer. Ça sera un petit peu compliqué, voilà, ce serait même carrément pas possible. Donc du coup vous allez me dire, oui mais mince, comment on va faire si vous pouvez plus vous filmer, vous pouvez plus nous proposer de tutoriel. Alors ne vous affolez pas, puisque ça fait maintenant 3 jours, je vous l'annonce ici, que j'ai ouvert mon blog de tutoriels de tricot par écrit. Et bien décrit rang par rang, comme dans mes vidéos, hein, étape par étape, ne vous en faites pas. Ce blog s'appelle cassietricote.com. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et dans la barre de descriptif, hein, il n'y a pas de souci. Donc dessous, vous retrouverez tout un tas de tutoriels que je vous aurai fait par écrit. Alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait j'ai pas encore eu le temps de reprendre toutes mes vidéos, tous mes tutoriels vidéo un par un et de les retranscrire en tutoriel écrit. Je vais le faire, c'est en cours, en plus j'ai mon chéri qui m'aide bien, donc voilà, on s'y met à deux pour pouvoir mettre le plus possible de tutoriels de tricot en ligne en version écrite sur le blog. Et ne vous en faites pas, dès que j'aurai à nouveau le temps, la possibilité de me filmer chez moi, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Alors après, je ne peux pas non plus les week-ends, parce que voilà, je profite un petit peu de mes enfants, de ma vie de famille actuellement. Mais après, quand ma grande va retourner à l'école et tout, ce sera beaucoup plus cool pour que je puisse refaire des tutos. Voilà. Alors, depuis quand même le temps que je ne vous ai pas vu, je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir que j'ai reçu 2 nouvelles box Kit & Knit. Alors pour les personnes qui ne se souviendraient pas, dans une précédente vidéo, je vous avais montré la première box Kit & Knit. Kit & Knit est en fait un site internet qui propose un abonnement pour recevoir tous les mois une box, soit sur le tricot, soit sur le crochet, afin d'apprendre à tricoter ou à crocheter, avec dedans des fiches explicatives, le matériel, un pelote de laine, aiguille ou crochet, hein, voilà. Pour les personnes qui crochettent, moi je n'ai pas à crocher, mais bon. Chacun son truc, hein. Moi j'adore le crochet, je trouve ça magnifique, mais c'est pas mon truc, voilà. Alors du coup, moi c'est la deuxième box ici que j'ai reçue et j'ai la troisième box aussi que je vais vous montrer. Donc je vais déjà vous montrer la deuxième quand même, voilà. Alors dans la deuxième, on a, ça va être un modèle, donc là c'est les fiches explicatives, hein. Il y en a plusieurs, pour faire une pochette tendance couleur grise argentée. On a les aiguilles et le petit bouton style baroque très joli pour la pochette. Oula. On a les pelotes de laine pour la pochette. Voilà. Et on a les pelotes de laine pour faire notre couverture patchwork. Alors, dans la première box, j'avais déjà reçu hein, les pelotes de laine pour une couverture patchwork avec les aiguilles. Là, je reçois simplement la suite de la laine pour continuer la couverture patchwork. Pour tout vous dire, j'ai même pas encore commencé parce que je tricote plutôt là des pulls et des gilets pour mes filles pour l'hiver prochain. Oui, je m'y prends à l'avance, mais voilà, je préfère m'y prendre dès maintenant. Voilà. Ensuite, la box de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la laine pour continuer la couverture patchwork, des aiguilles et un marqueur de maille. Bon. Du fourrage, comme pour fourrer les nounours. Oh, c'est pour faire des petits cactus, regardez. Sur les fiches explicatives, c'est pour faire des petits cactus au tricot. Sympa ça, avec les petits coins en céramique. Trop mignon, vraiment. De la vraie céramique, hein, c'est pas de plastique. Et les pelotes de laine, pour les faire, ces 2 jolis cactus. Oh, et un cadeau. Sympa. Oh, je suis contente. Un classeur Kit & Knit pour ranger nos fiches explicatives qu'on reçoit depuis la première box. Eh ben, je trouve ça vachement cool. Donc, ils savaient pas où les ranger. Impeccable.
Voilà, donc la suite de Kit & Clit. Alors moi, encore une fois, j'aime beaucoup le concept parce que quand on n'a pas forcément le temps d'aller s'acheter de la laine, du matériel pour tricoter, c'est un gain de temps. Quand on est à court d'idées de choses à tricoter, ben ça nous donne des idées. Quand on est débutante, et ben ça décrit vraiment très bien les modèles. Et en plus, sur le site, quand vous calez sur un modèle, apparemment, vous avez les vidéos descriptives pour vous aider. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Allez, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog Cassé Tricote. Mettez-y un petit j'aime, un petit commentaire. Et vous avez l'option, si vous le souhaitez, de me faire un petit don d'encouragement via PayPal pour m'encourager à continuer de vous proposer toujours plus de tutoriels de tricot. Après, attention, le don n'est absolument pas obligatoire. Les tutoriels restent gratuits. C'est vraiment uniquement si vous le souhaitez. Ça peut être à partir de 1 euro, il n'y a aucun problème. Simplement pour m'encourager à continuer de vous proposer des tutos. Voilà, allez, moi je vais vous faire de gros bisous parce que demain je me lève tôt encore pour ma formation, comme plusieurs d'entre vous à mon avis, voilà, pour le boulot. Donc je vais vous faire des gros bisous, je vais continuer mes tricots, vous les mettre en ligne. N'hésitez pas, sur Facebook, les petites pelotes de Cassie, sur Instagram, Cassie Tricote. J'y suis très souvent, je suis disponible et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.